Tu passes une sale journée, tu es fatigué, tu es devant ta vidéo et tu t'es dit fuck, laissez-moi un quart d'heure, 20 minutes tranquille. Je suis là pour ouvrir ça avec toi. J'ai moi aussi. J'ai pas le temps en fait. Je sais pas où est parti le temps, mais il est parti sans moi. Et du coup, voilà, j'avais besoin de ce petit moment. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir, tu vois. Je découvre avec toi comme si on était dans notre bulle ensemble. Je suis dépassée par les événements. Glossybox m'a envoyé via mon store Octoly le calendrier de l'Avent. Donc, spoil, hein, je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là. Ok. Attends. Tu vas venir sur le tapis avec moi. Voilà. J'espère que tu vas pas entendre ma voisine qui me fait chier depuis bientôt plus d'un mois. Elle bouge ses meubles depuis un mois. Je ne sais pas, écoute. Je lui ai envoyé des messages, je l'ai appelée, elle répond jamais. Bref. Là, il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier. Ouah, c'est joli! C'est canon. Regarde, la 24, elle est dans une perte toute seule. Donc j'adore les couleurs, elles sont super belles. Attends, je vais faire ma photo de miniature là. À m'obliger. Voilà, me revoilà. J'ai une tête de con sur la photo, mais bon, on s'en fout. Bon, eh ben écoute, hein, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de taf. Et moi, il faut que j'y retourne à mon taf. Donc, on va pas traîner. Petite boîte Aigne. On a un blush. Beach Rose, un blush de la marque Pixie by Petra. Très joli. Un blush bois de rose. À l'intérieur, c'est des petits zigouigouis noirs comme ça. Je te mettrai tout en barre d'infos si jamais tu veux te procurer ce calendrier. Deux. En deux, on a Royal Apothic, Scrubby, Sugar Lip Scrub, gommage au sucre. Voilà. Bon, il y a 24 cases, hein, donc on n'écrit pas une rédaction thèse, hypothèse, synthèse sur chaque article. Hein. Tu l'as compris. Tres, c'est un gros produit. Tres. Macera Concentrate Restoring. Aircare. Ah, c'est un masque. Ben, c'est écrit dans toutes les langues, mais pas en français. Ben, pourquoi tu fais ça? De la marque Elgon. Un masque restructurant. Ça veut dire qu'écrire en français. Elgon. On est d'accord, hein, on est toutes pareilles. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas d'avoir une rédaction sur chaque produit. On est d'accord, t'es d'accord avec moi? Une fois qu'on a vu ce qu'il y avait, on passe au suivant. Merci. 4. Incredible Jelly Hot. C'est joli, c'est transparent. J'aime bien. Un hydratant intense pour les lèvres. Alors ça, c'est super parce que tu vois, il m'en fallait un. Et c'est super cool. J'adore. Oh, je n'avais pas vu, regarde, il y a une fleur à l'intérieur. Oui. Oh, hydratant, mais quelle beauté. Avec des feuilles en or, on dirait, dedans. C'est canon! Ah, ça j'aime. Parce qu'à l'école, il y en a une qui m'a dit que son grand-père était en meilleure santé que moi. Avec les enfants de ma classe, bah, ça fait 2 semaines qu'ils me toussent dessus. Un pinceau de la marque Luxy, dans le numéro 5. Un petit pinceau violet. Un petit pinceau blush. Sinon, toi, ça va? Raconte-moi un peu. 6. Concentré. Multivitamines, des ampoules de réparation. Rien à voir avec les ampoules pour ta voiture. Hein. Mais c'est des vitamines pourquoi? Bah alors, par contre, c'est pas écrit en français, les gars, là. C'est normal? Cette ampoule. Bah, je sais pas où tu te les mets. Arrêtez. On est poli, s'il vous plaît. Merci. Ça ressemble à un parfum. Elle est jolie, la boulette. Bon, moi pour l'instant, un baume à lèvres m'a conquise. Ah, ça c'est bien. Happiness, des petits chouchous. Des petits chouchous pour les cheveux, ça j'aime beaucoup. Ils sont très jolis. Et ça fait pas de marque dans les cheveux. Seven, j'aime bien. Ouh, 8, c'est un peu plus lourd. Alors, c'est quoi? Mitchell & Peach Fine Radiance Face Oil. De l'huile pour le visage dans un flacon en verre.
Antioxydants, multivitamines. Ah, mais je suis con, pardon. Ils te mettent les prix des produits. Il y en a pour des pépettes. Hein. Je te ferai le calcul, mais. Ouh! Oh putain, j'ai vu un truc. Mitchell & Peach, 40 euros. Franchement, il y en a pour une blinde. Il y en a pour une blinde. 40 euros. Je te laisse imaginer, hein, mais. Glossy Box, ils se sont pas moqués, hein? Steve Laurent. Un lip gloss à 25 balles. Un gloss Bordeaux à 25 euros. 10. Je suis dégoûtée d'avoir vu la grosse surprise. Je pense que ça va être dans le 24. Mais c'est un truc de malade. Un fluide enlumineur de la marque Lollipop. 11 euros. 11 euros, s'il te plaît. T'as la taille de ma bouche. 11, on a de la marque Dermagor Atopicalm. Un gel crème pour toute la famille. Peau sèche et atopique. Alors moi, depuis que j'utilise les savons solides, ce genre de choses, j'utilise plus. 12. Un 12! J'en ai une 12, monsieur. 12! Bella Pierre Cosmétique Kiss Proof Lips Finish. Ça coûte 13 euros. Ouais, c'est pour te finir ton rouge à lèvres si tu mets un mat. Pour que ça devienne brillant. C'est un gloss, quoi. Moi, j'aimerais bien avoir le truc, tu sais, Too Faced, là, qui te fait grossir les lèvres, là. De l'autre côté. Vous aussi, quand vous prenez une boîte de médicaments, vous ouvrez toujours du côté où il y a la notice. Moi, toujours. Je vous jure, ça me rend dingue. Surtout quand t'as un mal de chien et que t'es pressé de prendre ton médoc et que tu tombes sur la notice. Alors, Dewy Glow Balm for Skin, Lips and Nails. Pour glower des ongles, de la peau et des lèvres. Voilà. Ça, moi, I don't utilise. 14 de la marque Hey Honey. Trick and Treat Active Propolis Cream Concealer. Ah, ça c'est cool. Light to medium tone. Alors c'est un concealer de la marque Hey Honey, donc c'est au propolis. Je sais pas, moi franchement, le concealer, je prends toujours... J'ai le boho que j'adore et je prends vraiment des teintes très très claires. Si c'est de la même couleur que ma peau, j'aime pas. Elle est très jolie la boîte 15. Tu vois, encore, j'ouvre du côté où il n'y a pas le produit. Un shampoing sec Baptiste édition Marrakech. Ça, j'utilise jamais, jamais. Si j'ai les cheveux qui sont sales, je vais les laver, tout simplement. Je ne supporte pas d'avoir une texture sur mes cheveux. Du coup, ça, c'est juste pas possible. Mais ça, par contre, si tu as les cheveux très courts et très fins et très plats, même quand tu as les cheveux propres, tu te mets ça et ça te fait une sorte de texturisant, tu vois, rajouter un peu de la matière sur tes cheveux. Ça peut être cool, mais moi, ça, c'est... No. Voilà, du mauvais côté, non mais... Nutrilash Waterproof Mascara. Je déteste le mascara waterproof. Quand je me démaquille, j'ai l'impression que ça part pas. C'est une galère. Même à l'huile, enfin voilà, j'aime pas le mascara waterproof. Voilà. Tout petit. 17. Le moindre truc coûte 40 balles. Je te laisse voir combien il y a de cases. Calendrier de l'Avent, il y en a 24. Ah! De la marque Eye & Co. Fat Lip Eyes. C'est une ombre à paupières comme ça, métallisée, bronze un petit peu, très jolie. Ça, c'est canon, j'aime bien. Karmamejoo Charcoal Age Difference. Une éponge konjac. Une éponge konjac au charbon. Ça, c'est génial. Moi, je la mouille, je mets mon gel nettoyant pour le visage d'Aven et je me démaquille et me lave le visage avec ce genre de truc. J'aime trop. 19. Ensuite, de la marque El Nabil, du musc blanc. Alors ça, je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Si certaines peuvent m'aiguiller sur le... C'est beau, hein? Sur l'utilisation du musc blanc, je ne sais pas. C'est un petit roll-on comme ça. J'aime pas du tout l'odeur. Comme vous pourrez vous en douter, moi je n'aime pas les odeurs. Mais apparemment, c'est un truc de fou. À base d'extrait de parfum de France,
Concentré sans alcool. Dites-moi à quoi ça sert ça, s'il vous plaît. Autre casse parfumée, on est d'accord, hein, à note ton tas. Mais 20 de la marque Mina Lip Primer. Un lip primer. Donc un truc à mettre sur tes lèvres avant de mettre ton rouge à lèvres et ça coûte 20 balles. J'ai l'impression que j'ai rigolé comme le squelette dans les contes de la crypte. Franchement, qui regardait les contes de la crypte? Ah, mais moi avec ma cousine, c'était notre rendez-vous. Les contes de la crypte et mystère. C'était tellement cool. Ah, ça, c'était les bonnes soirées de l'époque. 21 de la marque Nails Inc. London Victory Place. Alors ça, pour moi, tu vois, les roses nacrées comme ça, c'est des trucs de mamie. Enfin, j'aime pas. Sur moi, j'aime pas. Et voilà. 15 balles le vernis. Sérieux. Encore une fois, tu vas à Sephora, tu donnes ta CB, 15 euros, et t'as un vernis. J'aime bien, ça détend de faire ça. Je vous jure, en ce moment, oh, j'ai la tête comme un courbouillon. Je sais, c'est pas ça l'expression, mais... Ah, celui-là, je l'avais eu et j'avais pas du tout aimé. Je l'avais eu dans... Tu sais, la box où je parlais anglais, là. La box où il n'y avait que des produits d'estate. Punk Volumizer Mascara. De la marque Douce. J'avais pas du tout aimé. La brosse, elle est immense. Et je sais pas, moi, ça m'en fout partout, là, après. Voilà, un mascara. C'est hyper complet, hein. Franchement, t'as tout pour te faire toute une routine. Et après, le 24, c'est l'apothéose. L'apocalypse. On ouvre de l'autre côté? Non, hé, bon côté pour une fois. Nip and Fab Hydrate, Dragon's Blood, du sang de dragon, Repulping Sérum. Sérum réparateur et repulpant au sang de dragon. Bon, tu rentres, Daenerys? Merci. On se tape à la ref de Game of Thrones après, là, je peux rien faire. Attention, le 24, qui va sûrement être le cadeau de Noël de ma sœur. Attends, sors, s'il te plaît. Ah, mais c'est les highlighters. Mettez-nous les fards en palette. C'est les highlighters de Huda Beauty qui coûtent quand même, hein. Quand même, tu me vois, oui. Qui coûtent 48,50 €. Voilà, les highlighters d'Huda Beauty. Écoute, moi après, à partir de là, j'ai envie de te dire, à me dépasser. Bravo Glossy Box, on va calculer. Attends, il me reste un petit peu de temps. Je remercie Glossy Box, Octoly et mes abonnés de me permettre de recevoir des trucs de cette valeur, quoi. 450 balles, voilà. Pour un calendrier qui coûte ce prix. Franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est ouf quand même. C'est génial, enfin, il y a des super beaux produits. Après, vous le savez, moi, je reçois et je n'utilise que des produits qui sont bio pour la plupart avec des compos naturels. Enfin, voilà, là, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire plaisir à ses proches. Si vous n'êtes pas vraiment, vous, dans le bio et tout, je vous dis, vous achetez ce calendrier à plusieurs. Il y en a pour 500 balles de produits quasi dedans. Donc, et c'est des produits de tous les jours, quoi. Il y a du baume à lèvres, des élastiques, des palettes, du mascara, des soins, des sérums, des huiles. Vraiment, je le trouve super complet et super joli. Voilà, est-ce que cette petite interlude avec moi t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a relaxé un petit peu? Je l'espère. Moi, en tout cas... Sachez que même si je mets 4 plombes à répondre aux messages, c'est juste que j'ai été très longtemps en fait à la maison à m'occuper de mes enfants. Et là, j'adore mon boulot, mais vraiment, je me sens dépassée au niveau de l'organisation. En plus, là, voilà, je chope les petits virus de merde de l'hiver. Mes enfants, pareil. Du coup, c'est la course. Pff, voilà. Franchement, les mamans actives de 3, 4, 5 gosses qui travaillent, qui gèrent la maison, qui... Chapeau, quoi. Chapeau.
Moi, je me mets une pression de malade déjà au niveau du ménage et tout. C'est super con parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont plus importantes en fin de compte. Mais je me mets une pression de fou et je suis KO et je suis éclatée. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ces petits moments de partage, et ben, ça compte énormément pour moi que de vous lire, de filmer pour me dire que ben, voilà, en fait, là, je regarde pas dans l'œil de ma caméra. Mais c'est comme si je te regardais toi et ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est mes petits moments à moi, nos petits moments à nous. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie et je vous fais des gros 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 bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.